Frères et sœurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je vous invite à vous asseoir. Chers chrétiens, chers confrères prêtres, frères et sœurs, chers amis des communautés chrétiennes, catholiques, protestantes, à toutes et à tous, je souhaite une très cordiale bienvenue ici en notre église abbatiale Sainte-Croix de Bouzonville, où nous sommes heureux ce soir de nous retrouver dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque année, l'œcuménisme nous permet de vivre ce temps fort. Et pour l'archiprêtré de Boulay-Bouzonville, je me réjouis que chaque année, nous puissions pas simplement faire une veillée de prière pour l'unité des chrétiens, mais une veillée œcuménique de prière pour l'unité des chrétiens. Et je remercie du fond du cœur Monsieur le Président du Conseil presbytéral, M. Luche, pour nous avoir mis en lien avec Christian, prédicateur laïc, la communauté protestante, pour préparer ensemble cette veillée de prière. Ce soir, nous voulons, à travers ce temps fort, nous souvenir de la prière de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17e, « Que tous soient un comme toi, Père et moi, nous sommes un. » C'est la plus belle manière, frères et sœurs, de réaliser et de mettre en œuvre cette prière de Jésus, ce vœu qui lui est cher. Avec Christian préparant cette célébration, nous avons eu une pensée particulière et nous en avons longuement parlé. Nous avons évoqué la mémoire du pasteur Stéphane Pape, que je voudrais rappeler ce soir. Stéphane Pape a été pasteur pour le secteur de Boulay-Bouzonville, et j'oublie toujours le troisième, Courcelles-Chaussy, voilà, Courcelles-Chaussy, de 1992 à 2017. Voilà, 92 à 2017, plus de 20, pratiquement 25 ans. Il avait pris sa retraite et malheureusement, il nous a quittés, il est décédé l'an dernier. Et nous portons dans notre prière Stéphane Pape et puis son épouse et puis toute sa famille. C'est aussi l'occasion pour nous de vivre cette communion au-delà des relations terrestres, que nous puissions aussi vivre cette communion des saints en pensant à nos amis défunts. Bienvenue à toi, Christian, pour ta présence et puis les membres des communautés chrétiennes de tout le secteur. Ce soir, c'est la communauté chrétienne des Caraïbes, les églises de Caraïbes, qui nous proposent de méditer les textes que nous entendrons. L'histoire du christianisme dans cette région des Caraïbes est paradoxale. D'une part, la Bible a été utilisée par les colonisateurs pour justifier la soumission aux premiers habitants de ces terres et celle d'êtres humains, des êtres humains, d'autres êtres humains qui furent déportés d'Afrique, d'Inde et de Chine. Un grand nombre d'entre eux ont été exterminés, enchaînés. Nous avons fait une décoration un petit peu spéciale. Nous avons exprimé à travers les chaînes près de la croix le souvenir de toutes celles et ceux qui ont subi le martyre, la torture, l'emprisonnement. Enchaînés et asservis, toutes ces personnes, nous les portons dans notre prière, mais la croix nous rappelle aussi que la mort et la résurrection de Jésus fait sauter tous les verrous et enlève toutes les chaînes. Alors, nous voulons, d'autre part, je rappelle que la Bible, pour les chrétiens des Caraïbes, nous rappelle que la Bible est devenue source de consolation et de libération pour beaucoup de celles et ceux qui ont souffert sous le joug des colonisateurs.
Aujourd'hui, la Bible continue d'apporter consolation et libération, encourageant les chrétiens des Caraïbes à réfléchir aux situations qui, actuellement, portent atteinte à leur dignité humaine et à leur qualité de vie. Alors que les chaînes de fer de l'esclavage tombent de nos mains, un nouveau lien d'amour et de communion émerge dans la famille humaine, exprimant l'unité pour laquelle prient nos communautés chrétiennes. Chers amis en Christ, nous voici donc rassemblés ce soir en communion avec les chrétiens des Caraïbes et du monde entier pour prier ensemble pour l'unité de tous les chrétiens. À travers cette célébration, chers amis, rendons grâce à Dieu pour notre héritage chrétien et pour l'action libératrice et salvatrice du Seigneur dans toute l'histoire humaine. Un très grand merci tout d'abord de m'avoir invité ici, de nous avoir invités et puis de pouvoir partager ce moment commun qui est un moment très important parce que en ce moment même, le même Dieu qui règne sur le monde entier, eh bien, il est présent ici avec nous dans la fraternité, dans cette fraternité que nous vivons entre nous, entre Jean-Louis et moi. Et puis dans cette fraternité que nous vivons, nous tous qui sommes rassemblés ici, un grand merci. Et justement, est-ce que je peux vous inviter à vous lever et à invoquer le Saint-Esprit avec les chrétiens des Caraïbes, demandant au Saint-Esprit d'embraser nos cœurs alors que nous prions pour l'unité de l'Église. Seigneur, unis tes serviteurs dans le lien de la paix. Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, libère-nous de l'esclavage du péché. Seigneur, aide-nous dans notre faiblesse, dans la traversée de nos épreuves. Seigneur, fais de nous des enfants bien-aimés du Père. Et
ayant invoqué l'Esprit Saint, nous pouvons maintenant nous tourner vers le Seigneur, qui est notre libérateur, qui enlève tous les verrous, qui délie des liens de servitude. La prière pour la réconciliation est d'une façon pour nous de nous reconnaître pécheurs et d'implorer le pardon du Seigneur. Nous n'avons pas reçu un esprit qui nous rend esclaves et nous ramène à la peur. Implorons donc la miséricorde de Dieu, confiant dans sa puissance salvatrice. Les structures qui abolissent la dignité humaine et introduisent de nouvelles formes d'esclavage, délivre-nous, Seigneur. Et des actes qui réduisent nos frères et sœurs à la pauvreté, à la marginalisation ou à la discrimination. Délivre-nous, Seigneur. Et du soupçon qui nous séparent les uns des autres et nous conduisent au désespoir. Délivre-nous, Seigneur. Le Seigneur est notre force et notre libérateur. Il est notre salut. Qu'il nous délivre du péché et nous guide vers sa sainte demeure, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est pour nous source de lumière, de joie, de paix. Cette parole éclaire notre vie intérieure pour nous accompagner dans nos engagements. Alors, avec les fils d'Israël, Moïse chanta ce cantique au Seigneur. Ils dirent : Je veux chanter le Seigneur, il a fait un coup d'éclat. Cheval et cavalier, en mer, il les jeta. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut, c'est lui mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le Seigneur est un guerrier, le Seigneur, c'est son nom. Char et force du Pharaon, à la mer, il les lança. La fleur de ses écuyers sombra dans la mer des jonques. Les abîmes les recouvrent. Ils descendirent au gouffre comme une pierre. Ta droite, Seigneur, éclatante de puissance, ta droite, Seigneur, fracasse l'ennemi. Superbe de grandeur, tu abats tes adversaires. Tu brûles d'une fureur qui les dévore comme le chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncelèrent. Les flots se dressèrent comme une digue,
Les abîmes se figèrent au cœur de la mer. L'ennemi se disait « Je poursuis, je rattrape, je partage, le butin, ma gorge s'engave. Je dégaine mon épée, ma main les dépossède. Tu fis souffler ton vent, la mer les recouvrit. Ils s'engouffrèrent comme du plomb dans les eaux formidables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? Qui est comme toi éclatant de sainteté, redoutable en ses exploits, opérant des merveilles ? Tu étendis ta droite, la terre les avale. Tu conduisis par ta fidélité le peuple que tu as revendiqué. Tu le guidas par ta force vers ta sainte demeure. Les peuples ont entendu, ils frémissent. Un frisson a saisi les habitants de Philistie. Alors furent effrayés les chefs d'Édom. Un tremblement saisit les princes de Moab. Tous les habitants de Canaan sont ébranlés. Tombe sur eux la terreur et l'effroi. Sous la grandeur de ton bras, ils se taisent, pétrifiés, tant que passe ton peuple, Seigneur, tant que passe le peuple que tu as acquis. Tu les fais entrer et tu les plantes sur la montagne, ton patrimoine. Tu as préparé, Seigneur, un lieu pour y habiter. Tes mains ont fondé, ô Seigneur, un sanctuaire. Le Seigneur règne à tout jamais. Le cheval du Pharaon avait pénétré dans la mer avec ses chars et ses cavaliers, et le Seigneur avait fait revenir sur eux les eaux de la mer. Mais les fils d'Israël, eux, avaient marché à pied sec au milieu de la mer. La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin. Toutes les femmes sortirent à sa suite, dansant et jouant du tambourin. Et Myriam leur entonna « Chantez le Seigneur, il a fait un coup d'éclat, cheval et cavalier en mer, il les jeta. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque le Trèbe, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Mon fils, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour, tout autour, pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, les gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces paroles, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. Voici la parole qui nous accompagne tout au long de cette célébration commune de ce soir. Et elle correspond au texte biblique que nous avons entendu aujourd'hui et qui peigne un tableau historique et spirituel qui est carrément époustouflant. Un tableau qui couvre pas moins de 13 siècles, de l'époque de l'Exode jusqu'à l'époque du Nouveau Testament, de la sortie d'Égypte jusqu'à la guérison d'une femme souffrant de saignement depuis 12 ans et la résurrection de la fille de Jaïr. Les événements décrits dans ce texte auront ensuite influencé les croyants depuis pas moins de 20 siècles, jusqu'à notre époque. Oui, jusqu'à ce soir où nous célébrons un Seigneur, eh bien, qui veut aussi venir dans nos vies pour nous libérer. Tout commence par le récit de la libération issue de l'Exode. Humainement parlant, il n'y avait franchement aucun espoir pour ce peuple juif en Égypte, dépourvu de tout pouvoir politique ou militaire. Écrasés depuis des siècles, sous le joug de l'oppression, soumis à des traitements horribles visant à le soumettre et à tuer toute tentative de soulèvement dans l'œuf. Le pouvoir égyptien, avec son administration redoutablement efficace et son organisation militaire, semblait vraiment inébranlable. Alors que faire? Comment espérer encore? Comment ne pas sombrer dans le désespoir. Et pourtant, ce qui semblait impossible a fini par se réaliser. Dieu lui-même a pris position, mieux encore, il a pris les choses en main. C'est un peu comme dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé il y a une dizaine d'années. Vous pouvez me croire sur parole ce soir que le chef en avait une poigne de fer et quand ce chef prenait les choses en main, eh bien, aucun problème ne lui résistait longtemps. Le Seigneur a libéré ce peuple contre toute attente et l'a conduit vers la terre promise en le faisant passer par la mer alors que les oppresseurs, eux, ont été noyés dans les flots malgré toute leur technologie, leurs chars hypermodernes et toutes les stratégies militaires mille fois supérieure à ce pauvre peuple d'Israël. Et ça, c'était un signe,
un signe pour toute l'éternité, qu'on se le dise. Dieu est l'espoir là où il n'y en a justement plus. Il libère les opprimés. Il délivre les esclaves. Alors tous ceux qui ont manqué de liberté ne s'y sont jamais trompés lorsqu'ils ont placé pendant des siècles et même des millénaires leur confiance dans ce Seigneur qui ne les a jamais déçus. Et ceci, parfois, malgré ceux qui prétendaient servir ce même Seigneur et qui ont parfois choisi de servir plutôt l'Égypte et le pouvoir sous toutes ses formes. Jadis, le Seigneur a entendu les cris provenant du peuple d'Israël, mais aussi plus tard, ceux provenant des huttes des esclaves noirs en Amérique du Nord, ou encore des peuples soumis à toutes sortes d'exploitations comme aux Caraïbes ou ailleurs, et aujourd'hui encore, il entend ces cris. Des millions d'ouvriers, de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui travaillent jusqu'à l'épuisement en ce moment même pour assurer aussi notre niveau de vie. Ne nous y trompons pas. Nous ne les voyons peut-être pas, ces pauvres. Nous ne connaissons même pas leur nom. Mais notre Seigneur, lui, voit chacun de ces êtres. Il n'en oublie aucun parce qu'il les aime et parce qu'il veut les voir eux aussi libres, libérés de leurs chaînes et égaux. Notre Seigneur voit l'ouvrier sans nom au Bangladesh qui patauge jusqu'au mollet dans des produits chimiques destinés à la teinture des vêtements, vendus ensuite pour 6,95 € quelque part dans un supermarché occidental. Et il voit le gamin qui ne vivra peut-être pas longtemps, mais qui descend au péril de sa vie dans un puits étroit pour aller gratter quelques grammes de terre rare, utilisée ensuite dans les batteries de nos portables, de nos voitures. Et puis, il voit aussi chacune de ces femmes obligées de travailler 12 heures ou plus dans une atmosphère irrespirable pour confectionner des vêtements bon marché. Même ma robe, hein, quand j'ai regardé, « Made in China ». Leur souffrance, c'est ses souffrances. Et leur combat, c'est son combat. Parce qu'il veut les redresser. Il veut leur rendre la dignité. Parce que toutes et tous sont ses enfants. Oui. Oh oui. Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. Mais il y a encore une autre forme d'esclavage dont le Seigneur veut nous libérer toutes et tous, puisque nous pouvons tous en faire l'expérience à un moment ou à un autre de notre vie, celui de la maladie, qui nous réduit aussi à la souffrance, à la dépendance. En Marc 5, nous voyons cette femme anonyme qui est victime d'une maladie qui correspond quelque part à une sorte de double peine. Elle perd du sang depuis 12 ans. Et aucun médecin n'a pu l'aider. Cette perte de sang est déjà assez pénible à elle toute seule, mais en plus, elle signifie une impureté rituelle. Personne ne doit entrer en contact avec cet être, avec cette femme, sous peine de se voir déclarer à son tour impur. Est-ce que vous pouvez seulement vous imaginer ça, 12 ans de vie dans le désespoir, comme une pestiférée? 12 ans sans être serré dans les bras par quelqu'un. 12 ans. 12 ans. Sans une seule caresse. Est-ce qu'on peut seulement avoir une petite idée de ce que cela représente pour une âme humaine? Un jour, un père de l'Église a rédigé un commentaire au sujet de ce texte et a comparé cette femme à une morte. Car toute vivante qu'elle était, puisqu'elle se nourrissait bien, c'est sûr, socialement, elle était morte pour son entourage. C'est terrible. Voilà encore une situation sans issue, mais elle connaît un redressement formidable, un nouveau départ spectaculaire quand le Christ passe par là. Alors que la foule est si dense qu'elle menace d'écraser le Christ, cette femme malade trouve le moyen de fendre cette masse humaine qui est là et de foncer vers celui qui reste le seul espoir de guérison, Jésus de Nazareth.
Elle sait qu'elle transgresse toutes les normes religieuses de son époque en touchant ce Jésus, alors qu'elle est impure. Mais son espérance et sa foi sont beaucoup plus fortes que tout ça. Elle n'en a rien à faire. Et puis il se passe un truc incroyable, une force sort du Christ et elle est guérie. Et en plus Jésus lui dit, ta foi t'a guérie. C'est cette même foi, cette confiance inébranlable en l'action libératrice de Dieu qui a jadis permis au peuple captif en Égypte de se lever et de se mettre en marche vers une nouvelle vie. Alors toi, qui est peut-être ici ce soir et qui n'est pas libre et qui éprouve un problème, toi qui souffres d'une maladie, toi qui te sens devant un mur impossible à franchir, paraît-il. Eh bien, quel que soit ton souci, lève-toi et fonce dans la foi et jette-toi dans les bras du Seigneur. Même si ça te semble désespéré, impossible, impensable, irréalisable, on te garantit que lui ne te décevra jamais. Parce que lui, il veut te redresser et il veut te libérer. Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. Mais il y a plus encore. On a peut-être de la peine à le croire, mais il reste un dernier esclavage auquel nous sommes toutes et tous soumis, même si nous sommes milliardaires ou hyperpuissants, c'est celui de la mort. L'histoire de la fille de Jaïr, toujours en Marc 5, nous montre justement un homme, un chef de synagogue, une sorte de membre de l'establishment religieux de son temps, un milieu dont on sait qu'il n'était pas toujours très favorable à Jésus. Mais là, sa petite fille est gravement malade. Son inquiétude le fait aller au-delà de toutes les normes. Il n'en a plus rien à faire de son esprit de groupe. Il n'en a plus rien à faire des égards. Il est désespéré. Et il vient supplier Jésus, ce Jésus-là, qui passe par là, d'aider son enfant de 12 ans. C'est un cri d'un papa, d'un cœur d'un papa qui supplie ce Christ d'agir. Et il ne le déçoit pas. Voilà un signe super important et puissant qui indique que la mort elle-même qui nous tenait sous son emprise est désormais vaincue. Et plus tard, dans la résurrection du Christ, cette victoire sera largement confirmée. Elle prendra une dimension universelle qui nous concerne toutes et tous. Car ta mort aussi a été vaincue en Christ. Voilà donc l'action libératrice de Dieu. Les opprimés se relèvent, l'Égypte se voit imposer des limites, quelle que soit la forme que l'Égypte peut prendre. La maladie doit se retirer et la mort elle-même cède la place à la vie éternelle. Oh oui, ta main droite au Seigneur est éclatante de puissance. Mais que serait ce constat sans des signes visibles ? Il est beau d'entendre des récits bibliques, mais nous avons aussi besoin de moments où on voit de nos propres yeux que quelque chose de fort est en train de se passer, que la main puissante de Dieu agit là où cela ne semblait pas possible. Un tel signe, je peux vous en donner un ce soir et vous êtes en train de le vivre peut-être sans le savoir. Lorsque j'habitais Hénin-les-Bouzonville il y a 40 ans, en 1978, rendez-vous compte, je passais tous les jours de la semaine devant cette belle abbatiale en allant au collège Adalbert en bus. Grand amateur d'histoire, dès mon enfance, j'adorais cette bâtisse qui s'élevait fièrement au bord de la Nièvre, depuis 1000 ans. Je la regardais tous les jours, été comme hiver, à travers les grandes vitres de notre bus. Un peu plus tard, j'ai découvert l'intérieur de ce bâtiment au moment où notre prof d'histoire a organisé des visites d'église. C'était, je crois, en 5e, à l'époque où on étudiait les différents styles d'architecture, hein, vous savez, roman, gothique et toutes ces belles choses. Valminster et Bouzonville ont touché mon cœur d'enfant, mais Bouzonville, c'était chez moi.
Et lorsque le livre de l'abbé Dicop Bouzonville et son abbaye me fut offert en 1981, j'avais 14 ans, imaginez-vous, cela devint un des plus beaux livres de ma petite bibliothèque. À ce moment-là, j'ai aussi une petite pensée pour l'abbé Heinz d'Eberswiller, mon prof de religion catholique au collège à l'époque, qui me prêta de nombreux ouvrages d'histoire locale. Parfois, il y avait vraiment des ouvrages très précieux et très rares. Je ne sais pas comment il a fait pour me faire confiance, mais ça a marché. J'ai rendu tout ça, ne vous inquiétez pas. Et tout ça, ça m'a passionné. C'était un homme formidable qui m'a beaucoup appris et qui a su faire surgir en moi une démarche structurée et presque scientifique dans la recherche historique, notamment par rapport au traitement des sources. Et puis j'ai étudié la théologie protestante. Je me suis éloigné de Bouzonville, de Hénin. J'ai étudié dans des villes comme Sarrebruck, Strasbourg, Luxembourg. J'ai vécu des choses incroyables. J'ai vécu des rencontres incroyables avec des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer un jour. Mais, j'ai gardé cette abbatiale dans mon cœur. Et puis, comme signe de cela, il y a une petite gravure qui est accrochée encore aujourd'hui dans notre maison, au-dessus, dans mon bureau à Folquemont, qui représente justement cette abbatiale-là. Mais je n'aurais jamais imaginé revenir un jour ici, entre ces murs chargés d'histoire. Cela m'aurait semblé complètement impossible, surtout pour une célébration comme ce soir. Puisque je m'étais engagé dans l'église protestante, donc c'était impossible, impensable, pas réaliste du tout. Faut quand même pas rêver, les amis. En voici qu'aujourd'hui, on est ensemble. C'est fou, hein? Nous chantons, nous prions, nous partageons plein de bonnes choses ensemble. Je me trouve ici avec vous, mes frères et mes sœurs catholiques. Et puis il y a les frères et les sœurs protestants. Nous sommes tous des frères et des sœurs et nous sommes ensemble, avec nos richesses, avec nos différences, avec nos histoires respectives, et nous savons que nous sommes toutes et tous enfants d'un même Dieu. Un Dieu qui n'est pas loin et distant, quelque part au fin fond de la galaxie, à 3 milliards d'années-lumière, mais qui est maintenant ici parmi nous. Et je suis sûr que ce même Dieu d'amour, ce même Dieu de puissance, qui veut voir ses enfants libérés à tous les niveaux depuis des millénaires, et bien maintenant, en ce moment-là, il se réjouit ici à Bouzonville de nous voir réunis en cette soirée. Parce que vous savez, ce qui se passe ici, c'est son action. C'est ça l'essentiel. Et puis, si ce n'était pas son action, si ce n'était pas sa main puissante qui nous guiderait, eh bien, ça ne servirait pas à grand-chose d'être là ce soir. Ça ne serait qu'une sorte de mascarade. Mais c'est grâce à lui, eh bien, que ce qui semblait impossible est devenu possible. Nous le vivons et nous le voyons de nos propres yeux. Alors, écoutez pendant un instant ce qui se passe ici. Ressentez avec vos cœurs ce qui se passe ici, à Bouzonville, en ce moment. Sachant une chose, en Dieu, il n'y a pas d'impossible, il n'y a pas d'impensable, il n'y a pas de irréalisable. Il fait traverser son peuple les flots de la mer pour le libérer, relève ceux qui sont malades, redonne la vie là où la mort semblait gagnée et unit dans les cœurs, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ceux qui semblaient désunis pour toujours. Ils sont unis. Ne croyons jamais que quelque chose soit impossible pour lui, parce que lui, il a une droite qui est puissante, et mieux encore, parce qu'il est puissant, il est génial, et il est présent,
Il est présent ici et maintenant parmi nous. Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance. Amen. Frères et sœurs, nous voilà bien fortifiés dans notre foi avec une belle prédication. Merci Christian. Et puis, il résonne aussi cette parole de l'Évangile que nous avons entendue. Cette femme qui souffre de perte de sang, à qui Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvée ». Puissions-nous, à travers cette foi, cette confiance en Dieu, ne jamais perdre espoir en l'avenir, comme Christian vient de nous le rappeler. Et puisque nous en avons l'occasion, maintenant, frères et sœurs, confessons tous ensemble notre foi chrétienne. Frères et sœurs, croyez-vous en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres visibles et invisibles, le croyez-vous? Croyez-vous en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père et par qui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux. Il s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Frères et sœurs, le croyez-vous? Croyez-vous en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui du Père tient son origine, qui avec le Père et le Fils reçoit même adoration et même gloire, qui a parlé par les prophètes? Frères et sœurs, le croyez-vous? Croyez-vous à l'Église une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité? Confessez-vous un seul baptême pour le pardon des péchés? Attendez-vous la résurrection des morts et la vie du monde à venir? Frères et sœurs, le croyez-vous? En rendant grâce d'avoir été libéré de l'esclavage du péché, présentant au Seigneur tous nos espoirs, demandant-lui de briser les chaînes qui nous asservissent et de nous unir dans des liens de l'amour et de la communion. Dieu de l'Exode, tu as guidé ton peuple à travers les eaux de la mer Rouge et tu l'as sauvé. Affranchis-nous de toute forme d'esclavage et de tout ce qui anéantit la dignité humaine. A créé à ton image et tu nous as sauvés en Christ. Donne-nous la force d'aimer notre prochain et d'accueillir l'étranger. Dieu de paix, tu restes fidèle à l'alliance que tu as conclue avec nous. En Christ, tu nous as réconciliés avec toi. Fais naître en nous un esprit nouveau pour que nous rejetions la violence et nous devenions des serviteurs de ta paix.
de gloire, dans les eaux du baptême, tu nous as adoptés comme tes enfants. Aide-nous à rester fidèles à nos engagements familiaux et à nos responsabilités dans notre société et à renforcer les liens de communion avec nos frères et sœurs en Christ. Dieu notre Père, en Christ, tu nous as unis à toi et les uns avec les autres. Par la puissance de l'Esprit Saint, libère-nous de tout ce qui nous empêche de manifester la pleine unité visible de ton Église. Dieu de toute miséricorde, nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est maintenant le moment de dire la prière que le Christ, le Seigneur Jésus lui-même, nous a enseignée. Le Notre Père qui nous unit justement toutes et tous, et je vous invite, vous, tous qui êtes présents ici, à vous prendre par la main en signe d'unité et à dire ensemble cette prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée et qu'il nous a demandé de prier. Jean-Paul, attendez, juste deux secondes. On n'est pas chez les cathos, on n'est pas contre cathos, hein. Alors, là nous sommes. Je vous invite à vous asseoir. Vous avez vu les réflexes de Pavlov, hein. On a du mal à sortir des habitudes. On n'est pas à la messe. Mais oui, mais je vais d'abord expliquer la collecte. Là nous sommes avec ces gens. Ils sont pressés, ils veulent déjà avoir du vin chaud, ils veulent déjà boire un coup. Et pour l'instant, on prie. Voilà. Alors, chers amis, je voudrais juste dire un petit mot. Je voudrais d'abord vous rendre compte d'un communiqué du Conseil d'Église chrétienne en France. Parce que vous allez voir, c'est pas simplement introduire la collecte. Il y a un grand, grand projet dont certains ont déjà entendu parler. Alors, je voudrais un petit peu l'évoquer avec vous. Donc, c'est un communiqué du Conseil d'Église chrétienne en France qui recommande que les offrandes, donc les collectes, les quêtes que nous faisons au cours des célébrations œcuméniques de prière, contribuent à la mise en place de ce qu'on appelle un label Église verte qui vise à favoriser la conversion écologique des paroisses et communautés locales. Alors, un petit mot sur ce fameux label œcuménique Église verte. Depuis déjà 10 ans, le temps pour la création, le 1er septembre au 4, du 1er septembre au 4 octobre, mis en place à la suite du rassemblement œcuménique de Sibiu en 2007, est l'occasion de célébrer l'œuvre de Dieu
et de réfléchir avec toute la famille chrétienne à notre rôle de gardien du jardin. C'est Genèse 2, verset 15. Dans différents pays et au niveau international, des chrétiens et responsables d'églises de différentes confessions plaident pour la sauvegarde de la création depuis plusieurs décennies. Ces dernières années, l'enjeu du climat a renforcé la dynamique œcuménique en France. En 2017, les églises chrétiennes en France ont donc décidé d'inscrire le soin de la création dans la durée en lançant un appel « Église verte ». Cet outil national est à disposition de toutes les paroisses et églises locales souhaitant démarrer ou renforcer leur conversion écologique. Le label s'appuie sur des expériences acquises dans divers pays, la Suisse, Royaume-Uni, Canada, Allemagne. L'outil est à découvrir via le site internet églisevert.org. Il propose un éco-diagnostic en ligne pour se situer et progresser d'année en année. Ce diagnostic a été testé en 2017 auprès de 10 églises pionnières et perfectionné pour s'adapter à la diversité des communautés. Des fiches pratiques permettent de disposer de boîtes à outils pour mettre en place des projets. Exemple, jardin écologique, réduction des déchets, meilleure gestion de l'énergie. Et des retours d'expérience permettent de découvrir des initiatives inspirantes, voire reproductibles. Église verte est une initiative portée par la Conférence des évêques de France, la Fédération protestante de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et le Conseil des églises chrétiennes en France. Le CCFD, Terre solidaire, le CERAS, le Secours catholique copilotent le projet. L'association Arocha et le cabinet de conseil AVEC en assurent l'animation. Pour soutenir financièrement la mise en place et le fonctionnement de ce label, nous proposons donc de faire cette collecte pour soutenir l'opération. Et je vous l'annonce déjà à l'avenir, ou pour anticiper, j'en ai encore parlé à personne, à aucun de mes collaborateurs, collaboratrices, comme ça, ça sera la surprise. Nous discuterons ensemble si nos paroisses, celles qui le souhaitent, veulent se lancer dans cette aventure du label Église verte. Vous en entendrez probablement parler par la suite. Alors, merci pour le don que vous ferez pour ce grand et beau projet. Maintenant, on peut faire la quête. Allons dans la puissance de l'Esprit Saint.